My dear little friends, be careful on the way to school. Be alert and pay attention to traffic. No running, no jumping, no playing on the road. No more accidents on our road. No more accidents on our road. Leçon 17. Allons à l'école. Deuxième partie. Grand-père, nous aimons aller à l'école avec vous tous les jours. On apprend beaucoup avec vous. Lorsque nous sommes avec vous, on sait exactement de quel côté de la route nous devons marcher. Vous devez toujours marcher sur le côté droit de la route afin de voir les véhicules venant en face de vous. Grand-père nous apprend aussi comment se comporter lorsqu'on est sur la route. Vous devez vous comporter correctement et être poli. Vous devez marcher sur le trottoir là où il est disponible. Grand-père est notre meilleur professeur. Nous sommes chanceux de vous avoir. Notre grand-père est le meilleur. Il nous montre beaucoup de choses. Il nous fait savoir qu'il faut porter des vêtements clairs lorsque nous marchons sur la route. Et nous adorons lorsque grand-père nous accompagne à l'école. Les enfants doivent toujours être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils sont sur la route. Vous devez marcher du côté droit de la route et surtout marcher sur le trottoir lorsqu'il est disponible. Vous devez toujours bien vous comporter et soyez courtois sur la route.